Et re tout le monde, on se retrouve pour cette troisième map entre les Lemon Dogs et les Virtus Pro sur Inferno. On a eu le droit à une première map de Virtus sur train 16-14. Lemon Dogs qui a dû gagner 16-9, il me semble, sur Mirage. C'est toujours Smilâtre et je suis toujours avec Graal. Toujours présent. Une première map qui a été assez serrée entre les deux équipes, une seconde qui a été vraiment pas à sens unique mais presque pour les Lemon Dogs, et très très en place. Et maintenant la troisième map, la map qui n'a été choisie par aucune des deux équipes, donc c'est une map neutre. Normalement les deux devraient être sur le même pied, égalité plutôt, mais j'allais dire au vu du jeu proposé pour l'instant, c'est peut-être les Lemon Dogs qui sont un tout petit peu devant dans le moral, dans le jeu. Rien n'est sûr pour ce soir. C'est clair, c'est clair. Ils se sont bien relevés de cette première défaite, plus qu'accrochée, hein, qui s'est jouée à 300e de seconde sur la première map pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez raté un dernier round de folie. Mais ils ont mis un score beaucoup plus sec sur la deuxième map, ce qui leur permet de reprendre l'avantage au niveau du moral. Et puis ce genre de joueur, ça marche comme ça, hein, ça marche à la confiance. Les 1 contre 1, quand tu les gagnes, après t'es sur un petit nuage, tu mets les têtes que tu veux, mais quand tu les perds, elles rentrent plus ces mêmes têtes. Et dire qu'à une demi-seconde près, on aurait terminé pour ce soir. Non, je sais pas, ça se trouve ce serait parti sur un overtime et puis les Virtus auraient quand même gagné. Puis on aurait été encore là, mais plus tard. Les monos auraient roulé, on y aurait mis 4 rounds, ça aurait été fini, on aurait déjà au lit, ça aurait été super. Non, ce n'est pas le cas pour ce soir. Et du coup, on est toujours dans ce quart de finale ou ce match de barrage, je sais pas comment on peut appeler ça. Un match de barrage. Le vainqueur de cette troisième map rencontrera Very Games. On est dans la Fnatic Fragout, si je me trompe pas. Et il y a quand même un bon cash à l'arrivée, on l'a dit tout à l'heure, mais j'ai oublié le prix entre-temps. C'est quand même pas rien, 1500. Pour une compète online. Un beau cash prize hein, pour les, là, le premier, après juste au deuxième, parce que aussi, le deuxième qui a 750 et le troisième qui a 500, sachant que celui qui gagnera ce soir ira en demi-finale, est assuré de faire top 4, donc il a la possibilité de gagner au minimum 500 en petite finale, mais 500 c'est déjà pas mal pour C'est une clair. LAN, pour une LAN, pour un événement qui a eu lieu en 2 semaines. Ouais, c'est clair. De l'autre côté de l'autre demi-finale, on a Anexis contre les NiP, hein. Bon, je pense que les NiP devraient réussir à passer, mais on sait jamais. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Les 10 artistes sont là. On va pouvoir lancer et repartir pour ce troisième cut. Les Virtus Pro ont gagné les deux premiers. Vont-ils faire le hat-trick? La réponse, dans quelques secondes. En tout cas, ils partent bien, même si ça revenge un petit peu, un kill de chaque côté. Et les Virtus Pro, ouais, qui sont bien. Pas tant que ça finalement. Zhaxp, lui, c'est un boucher, hein. Zhaxp, c'est le boucher de l'équipe Lemon Dogs, si je me trompe pas, voilà, c'est ça, qui vous fait un petit quadruple kill au cut, rien que ça, et ils choisissent. C'était. Ça va switch. Est-ce que c'est étonnant pour toi, Graal? Un franc CT. Oh, c'était non, c'est ce qui est le plus logique. Hein. C'est une map qui normalement ces derniers temps Elle c'est s'ouvre, hein, plus j'ai les l'impression. matchs. Ouais, bah, déjà, je crois qu'elle est déjà ouverte à l'origine sur Source. Mais bon, c'est logiquement avantage CT. Mais je trouve que depuis qu'on est passé sur Go, en même temps, c'est la première année, c'est logique que les équipes se trouvent, le jeu se fait petit à petit. Mais j'ai l'impression que les maps ne sont plus vraiment où c'était ou terreau, elles sont vraiment à l'équipe qui est la plus forte. Il n'y a pas un side qui ressort plus que l'autre. Ouais, bah tant mieux, parce que des fois on voit des équipes qui sont un petit peu plus faibles, et puis sur un BO1 il suffit juste qu'ils gagnent leur cut, et puis sur un easy side ils font un 13-2, 12-3, et puis du coup ils arrivent à gagner une map qui mérite peut-être pas forcément, parce l'autre équipe a pas pu bénéficier de ce side. Là du coup les terreaux qui tentent une agression au niveau de ce T, ils sont un petit peu low HP, quelques balles qui partent, Alren qui prend un bon kill sur Berg, et là du coup qui réenchaîne au niveau de cette plaine.
Là, ça joue directement le A, excusez-moi, j'ai peut-être dû dire B, Dozier avec Kuchar qui prend le premier kill. Situation de 2 contre 2, ils ont l'info de Twist qui prend une énorme tête, double kill de la part de Twist. Et en plus, qui a dû prendre l'info du dernier terroriste qui était au niveau de ce bac à sable. Ah, et ils ont pris l'info sur la bombe aussi, regarde, ils ont la bombe juste devant eux. Très beau double stuff de la part de Dozia qui double flash, par contre là il est pris en étau, des balles de partout et Twist qui va de son quadruple kill et qui offre ce premier round de Lemon Dogs. Très beau round de la part de Twist. Très beau round de la part de Twist, il a stoppé le rush, il a fait tout le tour, il a fait le dernier kill, ça leur a permis de remporter ce GR. Et du coup est-ce que ça baille énormément au niveau des CT On sait pas pour l'instant, c'est les cuts, ouais, on voit quelques MP7 quand même pour l'honneur de prendre l'avantage au niveau d'une arme automatique. Et les terreaux qui vont faire un contrôle map plutôt orienté quand même au niveau de ce M2. Et les CT par contre qui sont à 2 au niveau de l'appartement, ça peut faire un bon effet de surprise. Mais attention à ce que ça monte pas charrette et qu'on le voit pas venir. Dozia, s'il sort, il va se faire découper le pauvre. Ce qui est chose faite. Oh là là, très bon kill de la part de Dozia. Ça c'est une très bonne chose avec son Glock. Le Glock qui est très très puissant. Par contre, est-ce qu'il s'attend à ce que Zashp soit tout de suite là avec son Mac 7? Ça, je ne pense pas. Ah, à moins qu'il le soune. Voilà, il la soune parce qu'il est en train de courir. Donc du coup, Dozia qui ne se donne pas. Très bien joué. Du coup, 4 contre 5 toujours. Dozia 8 HP. Et les terreaux qui prennent leur temps. Ouais, ça commence tout doucement à se rediriger vers le BPA, ça prend la banane, ils ont Angel, ils ont Adren qui s'est avancé, ils ont l'info, ils vont pouvoir y aller, il y a que Twist qui est là. Ouais, surtout que là Angel va continuer à prendre quelques frags, enfin quelques HP au niveau de cet appart, et là quand ils vont sortir au niveau du B, voilà exactement, Twist qui dit les gars c'est pour moi, et du coup ça organise tout de suite le back de la part de Twist, voilà, de Berk par contre qui prend tout de suite le kill, Twist qui va prendre aussi un kill de son côté, les conneries, mais là voilà c'est Waver qui prend tout de suite son kill, son double kill de la part de Waver qui renverse le round, situation de 3 contre 2 pour les CT, 3 contre 1 maintenant, Angel qui va pas pouvoir faire grand chose avec son PP Bison, surtout que ça désamorce déjà de la part de Waver et que Berk le fait tomber, très bon backup de la part des CT, pourtant les terreaux avaient réussi à faire bouger cette défense. Hein. Ouais, d'ailleurs, il a réussi son premier kill, ça fait bouger la défense, mais ça n'a pas suffi. Waver est arrivé, a fait son backup, et il a fait son taf. Du coup, deuxième round directement mis par les Lemon Dogs, et ça achète des deux côtés, puisqu'on a posé la bombe. Voilà, cet écho qui n'était pas possible sur Source, mais qui l'est maintenant sur Go. Dès qu'on pose une bombe, on peut acheter dès le troisième round, mettre du côté Twisted Berg, Waver également. On a des M4, donc premier round d'armée. Sur un Zype qui va tomber sur Dossia. Poc, il se prend une tête. C'est très bien joué. Par contre, il y a voilà, Zype, encore une fois, qui est au niveau de cette chambre noire. Que tu faut que tu checkes hein, maintenant. Si tu regardes pas cette chambre noire, c'est un coup. Est-ce que ton pote se fasse défoncer? Ah, Zype qui est un peu blanc, qui reste toujours à cet endroit-là. Personne ne l'a encore vu. Attention, si Dozia sort, il peut tomber sous les balles de Zype. Malheureusement, il repart intelligemment. Ah, même pas, il en veut, voilà, les premières balles qui partent, voilà, Saïp qui arrive quand même à prendre ce kill. 4 contre 3, en même temps, un autre terroriste était tombé, je n'avais pas vu. Il y a Angel qui est passé au niveau de la voiture, attention. Donc Waver est là. Waver. Voilà, très bon kill de la part de Waver qui avait bien pris cette ligne, et Adren et Ketcher qui se retrouvent un petit peu à l'opposé de la map l'un de l'autre. Voilà, ils se rejoignent maintenant au niveau du mid. 4 contre 2, est-ce que ça vaut réellement le coup de le jouer? On dirait, hein, ils veulent pas essayer de laisser un round comme ça aussi facilement au CT. Ça avance un petit peu au niveau de cette votre cul, au niveau des arches. Avec ses AK, Waver, est-ce qu'il a encore sa ligne, Waver? Oui, exactement, il a pris la toute petite vie. Par contre, il se prend une énorme kill. Adren, à Catcher qui prend deux bons kills, deux belles têtes. Et du coup, situation de 2 contre 2. Il reste encore Berk sur ce BP qui va tomber. Non, même pas Berk qui prend un bon kill sur Catcher. Peut-être le double kill pour offrir ce round. Et les échanges de balles qui partent. Ça monte sur la caisse. Adren qui prend le bon premier kill. Et là, maintenant, on va vite falloir poser. Twist arrive au niveau de ce mid. Il a plus que 12 HP. Là faut mettre une tête directe, sinon je pense que c'est fini. Twist qui va jouer au niveau de ce camion bleu, il va décaler. Par contre Adren qui ne regarde pas du tout au bon endroit, enfin en même temps il est bien planqué au niveau de sa caisse. Il se dit peut-être que Twist au niveau de la plaine, voilà il a pris l'information en plus, attention. Et non, c'est Twist en travers qui va enlever les dernières HP pour Adren et qui va offrir ce troisième round. Ouais, ce troisième round important et ça remet les... si je ne me trompe pas, ça remet les terreaux sont nouveau en écho derrière. Ah, quoi que non, ils peuvent forcer le bail, je vois une AK d'acheter, ils forcent le bail. Par contre, ils vont pas avoir beaucoup de stuff. Dossia qui a acheté.
Il faut qu'il suive son équipe, voilà, il achète à suivre, mais bon, il n'y a pas énormément de stuff, il n'y a pas de Kevlar, il n'y a pas de casque, ça va être dur. Et ouais, pour l'instant les terreaux aussi, moi je les vois en Kevlar casque, les terreaux, me semble-t-il. Et puis Et du bon, ils n'ont coup. plus rien à voir du tout, c'est vraiment à poil au niveau du tunnel, c'est ça, 5, ouais, 150 ou 50. 50. Et du coup, pour l'instant, quelques HE qui enlèvent 2-3 HP par-ci par-là, mais rien de bien significatif. Et ils repartent encore une fois pour cet appart. Ce coup-ci, par contre, les CT qui ne sont plus. Qui le prennent en reculé, en classique. Deuxième, va falloir décaler avec son Galil tout de suite. Ou bon timing, puisqu'il décale plus poil quand le CT se barre. Zhp, là, quand il décale, il peut faire mal hein, avec son Max 7. Malheureusement. Ah non, il a la M4, excusez-moi. Il prend un bon premier kill, deuxième kill. Fox qui arrive quand même à le faire tomber. 2 contre 3, les terreaux qui sont passés au niveau de ce BP. Avec leur pauvre Galil, maintenant faut poser, hein, les gars. Ouais, oh là là, Sype qui est chaud, Sype. Hein. Honnêtement, depuis le début, il colle des têtes assez invraisemblables. Et la Fox qui va se retrouver coincée au niveau du mid. Et Twist qui le fait tomber. Très bonne tenaille de la part des CT qui ont joué ensemble. Ouais, les CT qui n'hésitent pas, ils jouent bien en groupe. Quand ils vont prendre un BP, quand ils sont deux ou trois, ils le prennent, ils l'encerclent pour bloquer les terreaux dessus. Ils l'empêchent de sortir, dès qu'il y en a qui sont sortis, ils se font découper en morceaux. Et ça leur permet de pouvoir aller prendre les rounds les uns après les autres et déjà de mener 4-0. C'est clair, ils font un petit peu le même départ que tout à l'heure, mais ce coup-là, c'est en CT. Angel qui a du mal, hein, qui a un 0-4. Dès que la machine va partir, ça va pouvoir peut-être faire mal. Surtout qu'en face, t'as un Twist qui a 7-1. C'est clair, Twist va justement peut-être qu'il va prendre le premier kill. Voilà, Twist qui prend le premier kill en banane. Et maintenant, il se barre, il dit c'est bon, moi j'ai fait mon taf, ça sert à rien de tomber maintenant. Et du coup, là, les CT qui ont encore une fois pris ce premier kill sur Adren, en plus qui était le premier de l'équipe terroriste. Et les terreaux qui contrôlent map, un dans la banane, un dans le mid, un dans cet appart légèrement avancé, et Kutcher qui prend aussi une petite ligne au niveau de cette voie de cul. Et les CT qui ne se montrent pas. Chacun prend sa ligne, on attend. Mais ils sont 4 au niveau du R. Est-ce que ça, les terreaux peuvent s'y attendre? Je ne pense pas. Ça décale un petit peu Kutcher qui ne verra à personne, puisque ça est pété derrière au niveau du poteau. Ah, ça va accélérer le niveau des terreaux. Ça serait peut-être le moment. Personne n'a la bombe pour l'instant. On veut pas risquer de la faire tomber. Sype qui met encore une tête. Il est incroyable ce soir. Dès qu'il voit une tête, il tire dedans. Là, malheureusement, il fail un petit peu. Mais du coup, 5 contre 3. Et les CT qui sont bien là. Ils sont très bien. Ils ont peut-être cherché un peu trop le kill. Par contre, là, faudrait peut-être rester. Weaver qui est tranquille. Et voilà, s'ils vont, ils veulent aller chercher le kill. C'est pas une bonne chose. Faut qu'ils gardent leur ligne. Faut qu'ils gardent leur pause pour pouvoir aller faire les kills. Attention à Angel par contre là qui est au niveau du BPB qui va se faire rattraper. Oh là, par contre Weaver qui le rate un petit peu. Ça, si ils prennent le kill, où sont les terreaux? Oui, les terreaux qui sont revenus au niveau du B, mais du coup le CT qui back directement, ça va être un 3 contre 3, il reste 10 secondes. Weaver faut qu'il gagne du temps là. Weaver faut qu'il gagne du temps s'il peut tuer le bomber. Voilà, Bear qui va s'en charger également. Fox, faut qu'il pose tout de suite, il va pas avoir le temps en 2 secondes. Non, il a pas le temps, malheureusement. Il perd le round à cause du temps, et ah là là, il pose quand même, lui ça lui fera 300$, mais pas à ses coéquipiers, ça c'est vraiment bête. Hein. Ils avaient réussi à revenir en 3 contre 3, bien réorienté au niveau du B, mais les CT qui ont bien senti le coup venir. Qu'on fait un bon backup, Twist qui a réussi à jouer le temps en B, et de temporiser, permettre à ses coéquipiers de venir l'aider, de faire les kills derrière. Il a du coup 5-0. Ça commence à aggraver un petit peu au niveau du score. Et encore une fois, une écho de la part des terroristes. Ça risque de faire le 6ème round. Et là, du coup, ça flash à fumée. Maintenant, on accélère au niveau du T. C'est du all-in là. Là, c'est soit ça passe, soit ça se fait reboot assez sévèrement. Bear qui prend quelques HP. Et Twist qui font premier kill avec Bear. Voilà, ça va être la boucherie. Ça va être la boucherie. Et ça sera triple kill de Twist. Et un kill de Bear et de Sype. Weaver et Zhp pour l'instant sur la touche. C'est un énorme mur, c'est un Twist qui est impérial. 11-2. Il a fait 10-14. Il a 3 kills de moins que toute l'équipe Virtus Pro réunie. C'est dire. Puis encore, on regarde Sype par exemple qui est avant-dernier de son équipe. Pourtant, à chaque fois qu'il voit une tête, il l'allume. Hein. Donc vraiment une équipe des Lemon Dogs très, très homogène. Bon, Zhp qui est un petit peu en dessous. Et là, les Virtus qui sont en dessous là, hein. Par contre toujours 0-6 pour Angel. Ah ben, je dis ça, il se réveille, il prend enfin son premier kill sur Waver et du coup ils prennent enfin le premier kill, les Virtus. Serait-ce leur premier round?
C'est possible, ils ont réussi à prendre un avantage. Ils ont, je crois que d'ailleurs, ils ont réussi une fois à prendre le premier kill. Par contre, derrière, ils ont pas réussi à concrétiser. Là, faut qu'ils prennent une décision, la meilleure qui eux pour eux. Mais nous, on a le stream, on a les infos. Ça serait en A. Prendre ce BPA, ils sont que deux. Et finalement, ils vont aller en B. Il y a Zaip et Saip qui les attend. Il y a avoir une agression, regarde, une belle flash en plus. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Si les terreaux arrivent à prendre les kills, par contre, ça ouvre. Et est-ce que Saip serait pas en train de faire une connerie en train de back? Ah, ça je sais pas, ouais, c'est exactement ce qui s'est en train de se passer, sauf que là pour l'instant j'ai qui lui dit « Eh oh, reviens par là, il y a du stuff chez moi !» Et Twist, lui, il est en A, on s'en fout. Et pour l'instant ça accélère au niveau Kusher, il y a une bonne mollo pour éviter que le mec ruine vienne un petit peu l'aider. Et tout le monde est blanc sur le BP, ça galère un petit peu Zash, Pangel, oh là là, les kills qui sont pris de partout. Et Berk qui est arrivé, il a un petit peu joué la Rambo là, il y avait Fumi, c'est lui on sait jamais, je sors, je défonce tout, mais malheureusement il s'est fait défoncer lui à son tour, et Twist bah, qui se retrouve un petit peu tout seul, qui fait quand même tomber Dozia, mais c'est le premier round pour Virtus, on peut imaginer. Oh, c'est le premier round là maintenant, il est 1v3, voilà, c'est ça, il a plus qu'une seule chose, c'est essayer de conserver son arme, donc pour ça il se met dans le bac à sable, il va écho et espérer que personne ne vienne le chercher. Ouais, c'est ça, mais là pour l'instant, voilà, même pas Angel qui prend une petite ligne quand même au niveau de ses arches et bibliothèques au cas où ça se pointe. Fox aussi, mais ils sont tellement low HP les terreaux, je pense qu'ils vont pas tenter le diable en disant allez, on essaie de faire tomber l'arme, on se contente de ce round, on lui laisse son arme, c'est pas grave. Ouais, bon, ça lui permet d'avoir une arme tranquille, de pouvoir attendre un petit peu avant de. Coéquipiers ont pu acheter, c'est bon, tout le monde a acheté, ça a des armes, nouveau rune armée, premier round mis par les Virtus. Et pour l'instant, bah, les Lemon Dogs, no problème au niveau de cet écho. Et ils repartent au niveau de ce B. Deux au niveau du petit mid, enfin deuxième au niveau de cet appart, ça joue très très reculé quand même. Non, ça prend pas des risques, ils ont eu au début les Lemon Dogs et Sudok qui sont allés chercher quelques kills. Donc maintenant ils veulent pas prendre de risque, ils veulent prendre leur temps, prendre les lignes, attendre un petit peu que les Suédois s'avancent, se donnent ou alors qu'ils aient une info en face. Malheureusement pour eux ce n'est pas le cas. Ah, pour l'instant ça prend quelques lignes, ça tente de prendre des kills, mais pour l'instant personne n'a perdu d'HP, c'est des balles un petit peu dans le vent du pré-shot. Et là ça va partir fort tout de suite, ça stuff un petit peu, Barky décale qui ne voit aucune info dans le mid, du coup ils ne savent pas du tout où est-ce que c'est. Et les CT, voilà, ça oblige Twist un petit peu à back au niveau de ce BPB. Très bien joué de la part des terreaux. Par contre, que Charles, s'il sort, il va se prendre une tête, à mon avis. Ah non, ça flash, là, c'est très bien joué. Par contre, là, maintenant, ils ont l'info, les CT. Et est-ce que ça tenterait pas de back? Exactement. Exactement, les terroristes, maintenant, avoir placé du stuff en A, ils tentent le back. Mais si Twist... Ah, Twist qui est un petit peu entre deux os, qui reste spawn, qui se dit comme ça, si c'est du A, je suis tout de suite là, mais si c'est du B, également... Et là ça va accélérer au niveau de ce BPB. Adrien qui va prendre un bon premier kill, ça c'est très bien joué de sa part sur Twist. Ça accélère au niveau du A. Waver, ça va être à toi de faire le taf, un petit peu de les ralentir. Malheureusement, il va pas voir grand chose parce qu'il se prend une pluie de stuff. Il se fait aggro par Dozia et par Kusher. Voilà, il fout le mauvais endroit. Et il y a 2 CT au niveau de cette ruine. Il reste 5 secondes, voilà, ça est posé. 5 contre 4, ça va tout se jouer maintenant. Oh, Catcher qui va pas prendre le kill sur Saip malheureusement, du coup situation de 3 contre 3 avec Waver quand même qui est très très low HP. Attention aux joueurs banane, attention à Zash qui arrive au niveau de la banane qui va peut-être prendre le kill sur Adran. Non, c'est Adran qui prendra le dessus sur lui. Et Saip qui est au niveau du double kill pour lui, qui prend une petite info sur Angel, malheureusement il n'arrivera pas à prendre le kill. Et les terreaux qui devraient pouvoir prendre ce round. À moins que... Non, il est en train de juste les gêner pour les forcer à rester sur le BP pour essayer de les faire exploser avec la bombe. Je pense qu'Angel est condamné avec ses 4 pauvres HP. Boum, voilà, on n'en parle plus, mais Adren a réussi à écho son arme. Et du coup, bah, deuxième round de la part des Virtus Pro, ils se relancent. Ils se relancent, par contre, faudrait qu'ils en mettent. S'ils veulent avoir une chance, il faut qu'ils en mettent au moins 4 ou 5 en terreau pour avoir une bonne petite marche avant de changer de side. Ça va pas être facile. Ouais, c'est clair, hein, parce que pour l'instant, les Lemon Dogs, bon, à part sur ces deux rounds, nous proposent un jeu plutôt solide. Et là pour l'instant ça joue très groupé de la part des trois terreaux. Pour l'instant ouais ça veut encore une fois jouer ce mid. Ça prend ça décale ligne par ligne mais personne n'arrive à prendre d'infos. Dozia qui profite de cette fumée pour passer. Twist qui prend un bon premier kill à la WAP. Ça c'est très bien joué, il va décaler. Double kill le Twist, il est on fire là avec son AWAP. Faut pas décaler maintenant. Ah si, Fox qui le cale. J'avais dit il fallait pas décaler maintenant car il avait sa ligne. Mais le Fox lui ne l'entendait pas de cette oreille. Il prend sa ligne accroupie.
6 Saip décale, il se prend un coup d'Awa, Pella du coup 4 contre 3, les terreaux qui sont un peu coincés par contre. Adren qui va jouer le B. Adren, voilà, ils ont tout de suite redirigé au niveau du B, mais Waver a bien senti le coup venir. Oh, la tête qui se prend par Angel, il a essayé de flash pas avec le toit du BPB, mais malheureusement il se prend une grosse tête. Ber qui prend un bon kill sur Angel à son tour. Et du coup, 2 contre 3, bombe posée, situation de 50-55. Et Berg il se met à mettre des têtes de son tour. Fox il prend encore un kill, double kill dans ce round. Fox par contre là qui est un peu coincé hein, de ce fond de site. Et Saip, voilà, là ils l'ont agressé le pauvre. Ils avaient l'info, ils lui ont balancé du stuff dessus, ils lui ont couru dessus, no respect. Ouais, no respect, mais ça reste, mais au moins ça réussit, ça rapporte un round, ça se remet dedans. 7-2. Une bonne chose, c'est vrai que les Mon Dogs gardent au moins ces 5 rounds d'avance, quoi qu'il arrive à la fin du side. Ouais, 10-5, ce serait un score convenable pour les deux équipes, j'ai envie de dire. C'est remontable, mais ça laisse quand même quelques rounds d'avance, un petit peu de marge. Ça laisse de la marge, ça permet d'avoir une équipe qui a son avantage, qui peut perdre le GR et 2 rounds d'après, et avoir encore un peu d'avance. À reperdre encore un round derrière et refaire une écho, ça ferait du égalité, ça ferait du 10-10. Et après, tout serait de nouveau remis, les cartes seraient remises sur le tapis, on recommencerait à zéro. Ouais, et là, du coup, on revoit une défense. Ils sont quand même. Et encore une fois, les Lemon Dogs qui aiment bien mettre deux joueurs au même endroit, tu vois, Twist et Saip, ils sont au même endroit. Comme ça, les terreaux, ils se disent bon, on a fait tomber Twist au niveau de cette vote cul, il n'y a plus personne. Ils vont avancer sans regarder ce petit coin pute et hop, ça il peut se faire plaisir avec sa M4. Mais pour l'instant, ça n'avance pas plus que ça au niveau des zéros. On prend son temps, on prend la ligne, on veut pas précipiter les choses. On veut pas faire comme avance, prendre une ligne et se faire décaler et mourir bêtement. Ils prennent vraiment des infos safe, même si la culture prend un bon premier kill sur Saip du coup au niveau de cette voiture comme je l'ai dit, ce qui oblige la tête, enfin le poc que vient de mettre Zash, ouais, ça résonne encore dans mon casque. Et du coup là les par contre les CT comeback et les terreaux qui tentent au niveau de ce B. Adren qui va récupérer la bombe parce que son pote Angel est mort juste à côté de lui, est-ce qu'il va réussir à la poser? Ouais, c'est tout de suite fait. Par contre, là, ils se retrouvent en 1 contre 3 le temps que Kutcher. Voilà, Kutcher a tout de suite back, très bien joué. Est-ce qu'ils ont l'info? Je ne sais pas, mais ça va quand même en rester très compliqué pour les terreaux. C'est 2v3. Après, les pots sont pas trop mauvaises. Kutcher peut faire quelque chose parce qu'il se doute pas qu'il va être ici. Il peut prendre l'info et donner à ses coéquipiers. Il s'est montré Kutcher comme. Oh, il prend quand même une grosse tête maintenant. Waver qui va tomber. Adren et Twist avec son AWAP qui va tout de suite calmer Kutcher, lui dire oh ce round il est pour nous, et du coup ils prennent une avance de 6 rounds pour les Lemon Dogs. Ouais, 8-2, le premier side qui est sûr d'être remporté par les Lemon Dogs. Maintenant c'est tous les rounds qu'ils vont mettre, c'est un plus dans le sens où on sait que c'est une map qui est légèrement CT, donc ça veut dire qu'à un moment quand tu es CT tu mets minimum 8-9 rounds, donc là ça, ils en ont mis 8, maintenant tout ce qui sera en plus c'est du bon. Est-ce que les terreaux, non les terreaux sont bail, mais c'est Galil j'ai l'impression, bon, même si la Galil est quand même une arme très très puissante, c'est 3 Galil, 2 AK, un petit peu de Kevlar, du cas, ça avance au niveau de cet appart un petit peu avec une smoke, donc on voit pas grand chose, ça décale, j'entends quelques balles qui fusent, deuxième qui prend un bon premier kill sur Japsa au niveau du BP, ça va tout de suite sortir, là s'il prenait kill tout de suite ça peut faire mal, deuxième double kill, il fait le taf la deuxième pour l'instant, c'est lui qui ouvre le BP, c'est lui qui prend ses responsabilités, la bombe qui est tout de suite posée, et là les terreaux, ils vont peut-être mettre ce troisième round. Ils vont même déjà le mettre parce que les Mondogs qui prennent tout de suite la décision, déco leurs armes parce qu'ils ont plus beaucoup de sous, j'allais dire. Là on regarde Saip qui a plus de sous et Saip qui en a 100, donc ils se sont dit on va pas prendre de risques, on va reculer, on va conserver son arme. Et là est-ce que les Virtus vont essayer de venir les faire tomber? C'est quand même risqué, ce serait perdre de l'argent pour rien parce qu'ils roulent pas sur l'or non plus, ils sont menés 8-2. Et voilà, exactement, Kutcher qui va tomber, Adren qui va décaler, mais qui va peut-être se faire défoncer par Waver s'il s'amuse à décaler à son tour. Non, il va rester safe, hein, Waver. Ouh, là par contre, voilà, exactement ce que je disais. Ils viennent de faire tomber deux armes bêtement, du coup, parce qu'ils sont obligés de rebuy, ils ont que 3000$, ça va les renvoyer à 500 à peine. C'est peut-être pas forcément une bonne opération, ça. C'est une mauvaise opération, en plus il y avait un drop de fée chez les CT. Waver qui avait des sous, qui a pu donner à ses coéquipiers, et ça permet d'avoir une des équipes qui sont sur les mêmes points d'égalité. Twist, décale middle qui permet de donner son équipe un avantage très important.
C'est magnifique, c'est pas souvent qu'il marche quand même celui-là, hein, parce qu'il faut que le joueur soit légèrement en retard pour dire que le CT arrive à temps. C'est ce qui s'est passé, tant mieux pour lui, il arrive à le sniper, et du coup, bah, tout de suite en 54, même si là Angel arrive à faire tomber Sype directement, ce qui réégalise un petit peu tout ça. Et du coup 4 contre 4, et encore une fois on voit ces terreaux qui prennent le A, enfin qui prennent l'appart, mais qui laissent un joueur comme Adren au niveau de cette banane. Et là ils savent pas trop, ils se disent on est avancé banane, on est avancé en A, où est-ce qu'on va? Et ça a l'air de partir vers du A, mais là ils ont tout de suite compris les CT à l'image de Twist qui est au niveau de la plaine seul sur le BPA. Et ça va accélérer au niveau du B, là Adren qui va falloir prendre tout de suite le kill, même si la Twist prend entre temps le kill sur Angel. Berg qui tombe sous les balles de Dozia, ça c'est très bien joué, 3 contre 3 maintenant, mais les terreaux sont passés au niveau du BP. Weaver qui va sortir au niveau de cette ruine. Ouais, il va attendre ses mates quand même, il va pas faire une opération suicide. Oh, oh le TK! Le TK, j'ai cru que c'était Twist encore une fois qui avait pris un kill, mais malheureusement il arrache la tête de son coéquipier. Et entre temps, Weaver qui tombe, ah là 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 là, la mauvaise opération pour Twist, et du coup qui se retrouve à 100 de l'arme alors là. Oh, par contre, très beau double kill. Bon, il répare un petit peu son erreur, mais ça va leur coûter le round, non? Ça va leur coûter le round, ce TK. Ouais, ce TK qui était vraiment au pire des moments, et les CT qui vont perdre ce round-là, ça va pouvoir donner un quatrième au Virtus. 8-4. Et voilà, tout ce qui fait quand même dernier kill, hein, il termine quand même sur une bonne note. Ouais, mais bon, regarde son écho, quoi, du coup. Il avait des sous, parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, un TK, ça fait moins 3 500 $, hein, sur Go, si je me trompe pas. Ouais, ou 1000. Ouais, je sais plus. 3300, Régis nous dirait. Ah, c'est énorme, plus de 3000, c'est trop. Parce que c'est. Bah, ça fait un bail de M4, quoi, en gros. C'est 3100 $, il me semble. Full en banane. Tous les terreaux sont là. C'est dommage qu'il n'y ait pas une double HE là dans les pieds. Ça ferait un full team, ça serait magnifique. Oh, en tout cas, surtout que c'est en écho. Angel qui se fait plaisir maintenant. Oh là là, le nombre de smoke qui part. Maintenant, il va se retrouver bien seul sur son BP. Et Bear qui se fait tout de suite tomber. Voilà, les terreaux qui vont tranquillement mettre ce cinquième round. Twist, je serai lui. Voilà, tout de suite, il va même pas se mêler de ce qui se passe avec Sandawa. Puis il se dit, tous mes potes étaient en écho. Peut-être que Zash peut essayer de la jouer. Et encore avec son P250, il veut pas faire grand chose. Et ce cinquième round rapide sera mis par les Virtus Pro qui reviennent bah, plus qu'à 3 longueurs des Lemon Dogs. Hein. Ouais, qui reviennent à 3 longueurs et les Lemon Dogs, il faudrait qu'ils en mettent au moins un, ça serait bien pour eux. Bien pour le jeu que pour le moral. Ouais, parce qu'à 8-7, même s'ils gagnent le side, il n'y a aucune avance, hein. C'est une bonne opération pour les terreaux. Voilà, Twist en plus qui est plus qu'à 13 HP, ça va être dur de garder son AWAP. Il a une info en plus et voilà. Il avait l'info dans l'appartement donné par Zash, qui tombe sous les balles de Kusher. Et ensuite, eux avaient l'info qu'il était dans le bac à sable, ils lui ont sauté à deux dessus. Et du coup, ils font tomber cette AWAP. Ce qui oblige Twist à jouer au FAMAS, hein. Sachant que c'est la AWAP normalement. Ça, ils ont essayé de forcer le bail. Ils veulent essayer de faire le 10-5, comme je disais, 10-5, c'est quand même le meilleur des scores possible pour maintenant. Oh, le fail stuff, je crois voir la HE qui a été ratée au niveau de la banane, c'est dommage. Bah elle aura pas enlevé d'HP en tout cas, même non, si non, ça raté. Rebondit, c'est tombé dans un coin à côté d'eux. Bon c'est dommage, j'aurais pu la mettre dans la banane, ça aurait pu faire mal aux deux qui étaient à l'entrée. Ouais, encore une fois, hein, on voit Angel qui titille un petit peu au niveau de cet appartement, le mec qui est dans la vodka. Malheureusement elle arrive pas à prendre le kill ce coup-ci, ça flash un petit peu, il a pris sa ligne maintenant. Là, par contre, s'il sort, il va peut-être se faire accueillir par un CT. Voilà, on a Berg un petit peu au niveau de cette plaine qui prend des poses reculées là chez les CT. Hein. Quasi partout, Twist sur son BPB, Waver qui reste au niveau du spawn et tous les autres qui sont dans la plaine. Par contre, là, les CT qui sont partout au niveau de ce B, ça va accélérer maintenant. Waver qui prend un bon kill sur Adren, mais lui, c'est au niveau du BPB. Double kill de Berg, ça s'est très bien joué. Et... Ah, ça réégalise un petit peu, situation de 4 contre 2, voilà, là, les Lemon Dogs qui vont concrétiser ce force buy, c'est très bien joué de leur part, mais faut pas se déconcentrer tout de suite parce qu'il reste quand même Angel, Angel qui va prendre un bon kill sur Berg, Angel Dozia pour le 3 contre 2, c'est faisable, dur mais faisable, pour l'instant surtout que Dozia n'a plus que 12 HP, Angel plus que 33, il reste dans l'appart, est-ce qu'ils vont la jouer? Je ne pense pas, voilà, tout qui va tomber, Angel, et du coup Dozia, courage fuyons, même pas, il y retourne. Ah, mais lui, il va tomber sur tout que Zashp, je crois qu'il a vu le bout de son arme au dernier moment, ça décale, et voilà. Zashp qui le fait tomber, et ce 9e round, bonne opération pour les Lemon Dogs.
Très bon force by 3-9-5, ils ont repris les 4 rounds d'avance, faut qu'ils mettent le dernier, ça serait très très bien pour eux. Et même Dox pourrait partir sur un deuxième side un peu plus tranquille. Ouais, c'est clair, même le mieux pour eux ce serait encore de mettre ce dixième, mais les Virtus Pro qui ont pu acheter puisqu'ils ont enchaîné 3-4 rounds sans perdre, ce qui est très bien joué de leur part, du coup ça leur permet d'avoir leur AWAP pour Kusher. Tiens, je m'attendais à ce que ça soit Fox qui la prenne. Bon, Non, pas grave. aujourd'hui c'est plutôt que Kusher, il a montré des belles choses avec son AWP tout à l'heure. Twist qui est avancé encore une fois au niveau de cette banane qui va faire tomber Adren. Pendant ce temps, Angel a réussi à faire tomber Zhasp. Situation de 4 contre 4. Ce dernier round va être serré, hein. Angel qui va prendre un bon kill. Ça, par contre, sur cible, tout de suite revenge par Berg. Voilà, c'est vraiment du coup pour coup. Fox qui fait peut-être la différence. Pas de revenge par contre instantané. Oh, Kusher qui prend la bonne opération sur Twist. Je l'avais vu venir. Twist qui a tenté de rusher cette banane. Mais Kusher a bien veillé à ce qu'il n'y arrive pas. Et Waver qui se retrouve un petit peu seul. 3 contre 1. Il va se faire défoncer. Voilà. C'était sûr. L'attendait dans la fumée. 9-6. Et nous allons tourner l'avant-dernière page de pub. Rendez-vous dans 3 minutes. Et on se retrouve pour la dernière partie de ce match. Les joueurs vont bientôt recommencer. Et donc du coup, 8 à 7 pour les Lemon Dogs. Ou non, 10. Non, je dis des conneries. Ou 9. 9-6. C'est ça. T'as fait tous les scores sauf du mal. C'est ça. J'ai un petit peu du mal. Donc 9-6 pour les Lemon Dogs qui étaient en CT. On va voir maintenant si ça va mieux se démerder. Alors vous voyez peut-être le 2-0 en haut, ce n'est pas le score, hein. C'est un petit peu de FFA en attendant les 3 minutes de pub. L'alerte, la partie va redémarrer. On est parti pour ce deuxième side Graal. Et bah pour la décision de qui va rejoindre VG dans cette demi-finale. C'est ça, on rappelle la première map remportée par les Virtus 16-12. La seconde remportée 16-8, si mes souvenirs sont bons, par les Lemon Dogs. Et le premier set qui a été remporté par les Lemon Dogs, les Suédois, qui sont à 9-6, qui ont l'avantage sur cette map pour l'instant. C'est ça, et là pour l'instant, ouh, c'est aggro au niveau de la banane, hein, de la part des CT, surtout qu'ils sont 3. Attention, si les Lemon Dogs n'arrivent pas à avoir cette info, ça peut faire mal. Kusher qui est passé, Twist voilà qui prend l'information. Attention, les gars, c'est dans le mid, faites gaffe à vous. Et là, par contre, Angel qui va prendre un bon premier kill sur Twist. Ils prennent l'avantage au niveau de CGR.
Adren qui annonce qu'il y en a au niveau de l'SKT, ça fait un petit peu des deux côtés. Kusher qui arrive à Kusher qui prend un double kill et du coup qui les envoie très très bien. 4 contre 1, Waver qui a 6 HP, mission impossible, c'est fait. Virtus qui met le GR et qui reviennent à 9-8. 9-7. Je sais, hein, ça arrivé. Fait 7, c'est pas grave. tu viens les chiffres et toi ce soir, c'est pas ça. Hein. C'est ça, et moi bon, ça va, j'ai pas mat aujourd'hui ni demain. On va s'en sortir. Donc du coup, je vais me le noter dans le coin de la tête, ça fait 9-7, bien évidemment, je le savais. Et donc, les armes qui sont achetées, les armes auto qui sont achetées un petit peu du côté des Virtus, mais on voit Angel avec une M4, ça c'est risqué, surtout que Berk fait tomber Kusher, est-ce qu'il va réussir à le faire tomber? Oh, il le fail, et ça, attention, parce que du coup, ça permet à des terreaux de passer au niveau du T, même si la Drain arrive à bien récupérer le kill sur Berk. Et les Virtus Pro, léger avantage au niveau des armes et des HP. Les terreaux qui savent pas trop quoi faire, il y en a un, encore Waver qui se bat un petit peu avec Fox au niveau de cette banane, les trois terreaux qui vont jouer le T en même temps. Ah, ça décale Adren qui prend un bon premier kill, deuxième kill de Adren, très très bien joué avec son FAMAS. Twist qui va essayer de redécaler, ce coup-ci c'est Dozia qui le défonce. Et Waver qui se retrouve seul et qui tombe sous les balles de Fox. Deuxième round et donc on doit être à 9 à 8 ce coup-là. C'est bien ça, voilà, c'est bon, bravo. Tu auras ton diplôme en maths. Ah, alléluia. On commence à fatiguer. Oui, on commence à être fatigué. C'est bon pour les Virtus. En même temps, le troisième round devrait être logiquement gagné également. Ça va être égalisé, ça va faire du 9-9. Ça sera le premier round armé après. Et ce sera là où le match commencera réellement. Exactement. Et là, par contre, les terreaux qui sont tous au niveau de ce M2, voilà, maintenant ils sont un petit peu slow au niveau de ce T. Ça va placer du stuff, surtout qu'il y a une. Voilà, ça accélère tout de suite au niveau des terreaux, ça accélère au niveau du T. Aucune information que voilà, qui va prendre un bon premier kill avec cette avoie. Par contre, il se fait défoncer par Saip. Tout de suite après, est-ce qu'ils ont l'info qu'il y en a un sur le BP? Je ne sais pas. Il joue cette plaine, voilà, ça fail un petit peu du côté des AWAP. Angel qui prend un très bon double kill, Saif qui prend un bon kill après sur Fox, Angel triple kill, et Angel peut-être pour ce quad triple kill, c'est Adren aidé par son pote Fox il me semble, et du coup ce troisième round comme tu l'as dit, logiquement mis par les Virtus Pro. Ouais, 9 partout entre les deux équipes, voilà, premier round important. Et on va voir qui est-ce qui va pouvoir prendre ce petit avantage et repasser devant. Ouais, c'est clair, c'est le deuxième round symbolique, celui qui passe le 10 en premier. Attention, Angel qui a gros niveau de cet appart, il peut faire mal. Ils aggroont 2, en plus Angel qui va prendre un bon premier kill, mais qui se fait revenge partout, ce qui le calme tout de suite. Par contre, est-ce qu'ils savent que Kutcher, mais non, ils vont pas le savoir puisqu'ils ont toujours pas l'info, qui est directement descendu, il va prendre le frag dans cet appart. Voilà, ça c'est chose faite, très bien faite, ça part une belle aggro. Et du coup, 4 contre 3, voilà, il est content, il saute un peu de partout. Et les terreaux, ouais, qui sont en plus un petit peu dispersés dans cette map, qui vont se regrouper au niveau du M2. Et les CT avec Fox au niveau de cette banane qui prend Saline ou Kaou, ça vienne. Et voilà, ça prend un 2. C'est bien positionné là, de la part des CT. Ça bloque toutes les allées légèrement avancées pour être sûr de ce qui se passe. Et les terreaux qui vont se rediriger au niveau de cette banane. Ça va être à Fox de mettre les têtes maintenant. Il prend sa petite ligne, il décale droite-gauche. Ça strafe et quand il va en voir un, ça va être go. Voilà, là en plus nickel parce que lui il l'a vu mais il s'est pas fait voir. Il a annoncé à ses potes que c'est pour lui, ça flash un petit peu partout, lui il court trop stuff pour retarder. Faut décaler maintenant, tu vas te faire défoncer sinon mon grand. Voilà, bon premier kill, voilà, twist kill, le revenge quand même. Et situation de 3 contre 2. Faut poser tout de suite sinon ça va commencer à être dur pour les terreaux. Waver qui va prendre la ligne au niveau de cette ruine, twist qui sera au fond au niveau des caisses, il y a une info au niveau du spawn. Waver qui prend un bon kill sur Dozia, Adren qui revenge tout de suite. Là Adren va falloir qu'il prenne le kill tout de suite sur Twist, malheureusement il se fait tomber. Et maintenant ça va être dur pour Kutcher parce qu'il a plus qu'une AWAP. Oh, il est sur le BP. Il est sur le BP, ça par contre je l'avais pas vu. Il est cal, il le fail un petit peu, il va tenter la diffuse. Il tente la diffuse, ça va pas passer. Et Twist qui a bien décalé, premier round armé mis par les Demon Dogs. Premier round armé, ça s'est joué à pas grand chose encore une fois. Ça s'est joué à 2 secondes et ça j'ai pu le faire. Exactement, et après avoir raté son premier coup d'AWAP, il a tenté la diffuse de la tenir jusqu'au bout. Il aurait peut-être pu tenter de la relâcher, de prendre une petite ligne, mais il a pas voulu, il s'est dit on sait jamais, peut-être qu'il va croire au fake. Malheureusement, il a tout de suite décalé et il offre ce round, ce dixième round 19 pour les Demon Dogs.
Et là du coup, oh, Angel qui va prendre encore un bon kill. Encore une fois, il s'est avancé. Hein, non, il la prend depuis l'appart pour le deuxième appart au niveau de ce balcon. Et du coup, encore une fois, les Virtus Pro qui prennent ce premier kill, ce kill qui leur manque tant pour dire de marquer les runes. À chaque fois, c'est plutôt les Lemon Dogs qui le prennent. Et les Lemon Dogs, voilà, qui stack, qui ne veulent pas prendre de risques. Personne ne veut prendre de risques, hein, de chacun des côtés. Ouais, bah, c'est vrai que les Russes ont décidé de prendre le risque dans les 30 premières secondes, juste pour prendre le premier kill. Dès qu'ils le prennent, hop, on recule, on prend des pauses recul, on prend des pauses très très loin. Et on veut pas prendre de risque, on veut pas perdre bêtement alors qu'on a pris l'avantage. Ouais, là en plus les Lemon Dogs qui ont l'air de vouloir refaire la même, c'est repasser au niveau de cette banane. Dozia qui va peut-être décaler avec son Famas pour voir s'il y a du monde, il va se retrouver nez à nez avec 3 terreaux. Attention, ça va être maintenant le contact, il va prendre le bon premier kill, ça c'est très bien fait. Ce qui oblige les terroristes à accélérer, il en a vu en plus dans la fumée, il a dit faites gaffe les gars, il y en a un au niveau du spawn. Par contre Sip qui arrive à prendre un bon kill sur Fox et Dozia qui prendra un kill avant de mourir. Il met quand même bien son équipe parce que les deux derniers sont très low HP exactement. Voilà, Waver qui va tomber sous la WAP de Kutcher, aidé par Dozia comme je l'ai dit. Et Saib qui va se retrouver bien seul avec ses 18 HP, surtout qu'ils ont l'info au niveau de l'ancien jaune. Il en poque un, mais ils vont avoir la bombe et 10-10. Ouais, les deux équipes qui se rendent vraiment coup pour coup, round pour round, c'est chacun son tour, c'est un coup l'un, un coup l'autre. On égalise, on reprend l'avantage, on réégalise, on prend l'avantage pour l'autre. C'est serré, on retrouve un peu l'optique qu'on avait vu sur la première map sur des trains, on avait joué jusqu'au bout, ça s'était joué sur du 16-14 pour rappeler à la deuxième map, c'était un peu plus à sens unique pour les Lemon Dogs qui avaient emporté 16-8, et là on est à 10 partout. C'est clair, le match qui va être serré jusqu'au bout, hein. Deux équipes vraiment d'un niveau équivalent qui nous montrent du très beau CS quand même. Et les terreaux qui sont en écho, donc possibilité pour les Virtus Pro de passer devant pour la première fois de la rencontre. Et ça a l'air de courir, voilà, ça court encore une fois au niveau de ce T, ça va passer au niveau de la plaine. Kutcher qui va prendre un bon premier kill, qui annonce les gars, attention c'est au niveau de l'arche. Et ça va être à Dozia de tout de suite décaler, de prendre un bon kill. Ouh, par contre il se prend un poc, il a tout de suite le HP. Waver qui prend un bon kill à son tour. Et Dozia qui va tomber, et du coup très très belle opération pour les terreaux puisqu'ils sont passés au niveau du BPB par les arches. Même si là Angel flex tout de suite et met une grosse tête avant que la fumée pop. 3 contre 2, va falloir poser cette bombe pour dire de se mettre bien, ce qui est chose faite, ça va prendre au niveau de la ruine. Les terreaux, faut qu'ils se mettent sur un bon crossfire là s'ils veulent espérer mettre ce rune. Ce qui est FFBR qui prend un bon premier kill, qui tombe sur les balles de Kutcher. Et le dernier qui est au niveau de ce jardin, Waver qui fait tomber. Adren 19 HP, Waver 29 HP. Ça va être serré, surtout que Waver se met au niveau de cet ancien jeune. Et si il nous faisait passer cet écho, c'est très peu parti, surtout qu'il est NM4, la bombe est posée depuis pas mal de temps. Ça tente les travers, il va tenter la diffuse. Ouais, sauf qu'il ne marche pas, parce que ce coup-ci Waver. Et voilà, Waver qui met même une énorme tête, qui se permet de prendre le kill. Et écho, magnifique écho mis par les Lemon Dogs. Ouais, très très bon jeu, ils ont mis des très bonnes flashs, ils ont complètement blushé Butcher qui a fait quand même. Kutcher qui a fait le premier kill, malheureusement derrière il s'est fait démonter, ils ont pu passer en B, ils ont pu poser la bombe, et derrière ils ont tenu ce BP, cette bombe, ils ont fait des kills quand il le fallait. Vraiment cette strat que moi j'aimais beaucoup faire sur Source, qui passe aussi sur Gosser, du stuff, hein, une fumée dans le thé, on flash la haute, attention, on passe par les arches. Regarde GA, t'as Angel, Fox et Dossier qui agressent, les 3 CT, ils vont tomber sous Waver, mais Waver les attend, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui se passe par là. Il est low HP maintenant, il est quasi mort par contre. Oh, ben même pas, regarde, il arrive quand même à prendre un bon kill sur Fox. Dozia qui le revenge, et du coup, les terreaux qui sont un petit peu pris en tenaille, surtout qu'ils ont pas l'info pour Angel qui est au niveau de la bagnole. Et là, du coup, les terreaux qui se sentent un petit. Oh, le fail flash de la part de Jasp qui se la reprend du coup pleine gueule. C'est un petit peu gâché ça. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas Angel ou Dozia qui allait faire tout le tour, qui pourrait arriver dans le dos et se leur faire mal. Ouais, du coup Angel là qui va prendre un bon kill au niveau de ce M2, c'est très bien joué. S'il arrive à reprendre un deuxième kill, ça serait très très bon pour eux. Malheureusement, double kill de Twist et Saip qui met du coup l'avantage aux Lemon Dogs, 3 contre 2. Est-ce qu'ils ont des armes les deux derniers terreaux c'était, je ne suis pas sûr, voilà, Adren qui est encore non. Avec son P2000. Ça va accélérer au niveau du BP, Jasque va prendre un bon premier kill. Et ils ont pas l'info pour Adren qui va prendre un kill mais qui va tout de suite mourir. Et un break en quelque sorte, 12ème round, 2 rounds d'avance pour les Lemon Dogs, 12 à 10. Ouais, 12-10, voilà, première fois qu'il y a une équipe qui, on va dire, qui. Lemon Dogs avait pris le premier avantage en gagnant le premier side 9-6. Là, ils reprennent de nouveau cet avantage avec 2 rounds d'avance par contre, et en plus en face, je crois que c'est une écho totale. Non, ils ont acheté.
Ils sont full achat, par contre s'ils perdent les CT, ils vont devoir pleurer le round d'après. C'est clair. Et ça réagresse la GA encore une fois. Ah là là, sauf que ce coup-là, ils prennent un double kill, même si le Waver arrive quand même à prendre un kill. Les deux terreaux qui sont avancés, mais est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait autant? J'en ai au moins 3, je ne sais pas. En tout cas, Saip, il peut faire mal au niveau de cet appart, sauf s'il tombe à l'instant, il a pas les infos. Les terreaux, voilà, les terreaux qui, si, ils sont un petit peu pris un petit peu de partout, surtout que la Drain fait tomber Saip, il va annoncer, ouais, il y a personne après Angel qui va prendre un bon kill sur Waver, et ça, exactement, dernier kill pris par Angel, c'est la réponse aux deux rounds consécutifs, 12 à 11, ils vont pas se lâcher hein, jusqu'à la fin. Ouais, 12 à 11, tous les Lemon Dogs vont être obligés d'écho, ils ont Berg et Saip qui ont pas de sous. Ah, si, ça baille. Oh, ça force baille également, mais Saip restera sûrement au Glock, mais je vois des AK, hein. Ouais, c'est bien ça, des flashs des AK, du Kevlar, ça force un petit peu. Et du coup, va forcer le bail, c'est pas, ouais, c'est vraiment prendre un gros risque là. Il va se donner Twist. Dozia qui va quand même prendre ce bon kill sur Twist. Ça va quand même permettre à Saip de récupérer son AK. C'est un mal pour un bien en quelque sorte. Surtout que là il y a un petit contact au niveau du MD entre Angel qui a un petit peu agressé. Si ça ouvre la porte, ça peut. Voilà, si Saip qui va profiter de cet AK pour défoncer Angel en ouvrant cette porte. Et du coup, 4 contre 4, ça, le round va être encore une fois très serré. Et les terreaux qui ont l'air de se diriger au niveau de cet appart. Ouais, ça fait un moment qu'ils y sont pas allés, ils ont une première fois, ils prennent l'info, mais ils osent pas trop parce qu'ils savent que tout à l'heure il y a déjà eu Adren qui leur a fait un coup de pute dans les CSK qui s'est accroupi, qui s'était levé d'un coup pour faire un kill. Il y a Kusher qui fait à peu près la même chose, mais qui finalement recule. C'est assez risqué, surtout que Fox en plus, ouais, Fox lui a pris la GA, c'est chez lui, hein. C'est clair, pour l'instant ça ne passe pas. Mais là, voilà, les deux terreaux, on voit Waver et Berk qui essayent de passer au niveau de cette GA. Et Saip et Zaft qui essayent de passer, enfin qui se taillent au niveau de cet appart. Il reste 30 secondes, ça va accélérer d'un coup. Ils essaient d'aller prendre des infos à droite, à gauche. S'ils arrivent à prendre un kill, ils réorientent. Et c'est exactement ce qui se passe là. Du coup, Waver qui va foutre un petit peu le bordel au niveau du B, qui balance du stuff, mais ça va accélérer au niveau de cet appart. Ça, et puis il prend un bon kill sur Adren. Du coup, ça prend une bonne option au niveau de ce B. Même si Dozial arrive à prendre un kill, c'est le A, pardon. Sur ah, mais il reste 10 secondes, il va falloir poser la bombe rapidement. Ouais, c'est bon. Saip qui s'en occupe, qui la pose pour appart du coup, 3 contre 3 avec 2 joueurs low HP, mid HP, maintenant ça en fera 3, ça va être très compliqué de garder ce BP, surtout que Fox fait tomber Waver. Va falloir être costaud les hétéros si vous voulez ce round, surtout que là les CT vont bien la jouer ensemble. Oh là 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 là, la belle tête de Berk, surtout que là il en zoom down au niveau de l'appart, il dit à son pote de le prendre pour lui. Voilà Fox qui va prendre le bon premier kill, par contre ils ont l'info au niveau du dernier bac à sable. Berg contre Kusher et Berg. Oh le clutch. Oh là 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 là. Le clutch magnifique. 1v3, il permet à son équipe de reprendre l'avantage, de reprendre ce petit break. C'est waouh, quelle fin de round vraiment, je les voyais pas gagner, ils étaient 3 low HP, mid HP, ils étaient plus que 2 contre 3 et là Berk a été mais impérial dans son bac à sable. Voilà, l'agression à part, très belle agression à part, tout y a pas vu. Allez, Angel qui va prendre un bon kill. J'ai l'impression que les Virtus aiment agresser en CT. Un coup c'est à part, un coup c'est au niveau de la banane. Mais là, malheureusement, ça tourne un petit peu mal pour eux. Même s'ils ont pris 2 kills. Ah non, j'ai rien dit. Angel qui est on fire, 3 kills. Voilà, qui se fait quand même calmer par Berg. Et du coup, situation de 3 contre 2. On va pas s'avancer parce que la dernière fois qu'il y a eu un 3 contre 2, Berg était là pour dire de rectifier tout ça. Et du coup, surtout que là, ils sont ensemble, les terreaux. S'ils vont en B, c'est tout bonus pour eux. Si vous en B, ils font tomber Fox, ça peut le faire, surtout que le backup va être long de la part des CT qui sont tous les deux bac à sable, mais ça, ils le savent pas. Ils hésitent vraiment, ils se demandent A ou B, est-ce que ça a back ou pas. Le choix crucial. Là, j'allais dire, quand tu es comme ça, en situation de 2v3, tu sais qu'il y a 3 CT, les CT, logiquement, ils sont 1 sur le BP. Oh, il l'a vu en plus derrière le poteau. 1 sur le BPB, 1 sur le BPA, et 1 plutôt vers le spawn. Il n'est pas le casque aussi. Et du coup, là, ils ont pris 2-3 infos, ils décalent et ils tentent la banane. C'est parti, du coup, ils accélèrent, mais est-ce que Dozia va s'en rendre compte et va essayer de partir pour dire au niveau du spawn. Fox qui va décaler au même moment, Fox qui va rater. Fox, bon premier kill, Berg du coup. Oh, Berg. Berg, il a oublié la bombe. Non, il l'a avec lui. Je crois qu'il l'avait oublié par terre. Non, là, il la pose tout de suite safe. En plus, il a vu le mec au niveau du spawn. Allez, Berg. Berg en 1 contre 2 pour réitérer l'exploit juste avant. Surtout qu'il y en a un qui arrive au niveau de la banane. Ça va avancer les deux en même temps. Il a l'info au niveau du mec du BP. Mais ce coup-ci, il tombe directement sous les balles de Kusher.
Et les Virtus Pro qui leur disent vous allez pas partir aussi facilement que ça. Et qui mettent ce round et aide-moi au niveau du score parce que j'ai du mal avec les chiffres. 13-12 pour les Animal Dogs. C'est du serré. Round d'écart. Il doit y avoir la pression, hein. Chacun chez soi. Malheureusement, Régis qui a dû planter, qui a dû reboot PC, mais il est là, il va vous remettre l'image dès qu'il peut. Et ce dernier round, puisque les Virtus Pro ont 15, les Lemon Dogs 14, et 5 contre 5 encore, donc pour l'instant ça va être très très serré. Les Lemon Dogs qui ont pris aucun risque pendant une minute, ils ont pris une ligne, maintenant il reste 30 secondes, ils vont attaquer au niveau de cette banane, ça va être à Fox de faire le taf. Et Fox pour l'instant qui a 40 HP, les Lemon Dogs qui va accélérer, Lemon Dogs qui va, Fox qui va prendre un bon premier kill, Revenge par Berg, et du coup 4 contre 4, ça va être serré, je ne sais pas quand est-ce que l'image va arriver, j'espère qu'elle va arriver assez vite, 3 contre 3, là c'est pour la win. Le win ou le draw, surtout Kutcher qui va prendre un bon kill sur Sype, et du coup 3 contre 2, peut-être les Virtus qui vont réussir à accrocher ce 16ème round, ça va être tellement serré, ça va être tellement tendu, Berg au niveau du C3 maintenant, et Twist au niveau du jardin, au niveau de la ruine. Cette série, ça accélère au niveau du BP, ça va sortir en même temps. Oh, Kutcher qui va prendre un bon kill à la WAP, et peut-être c'est fait. Et Kutcher qui offre le match à son équipe. Ouf, quel match, hein, Graal. Oui, quel match, il y a eu vraiment cette première et cette troisième map qui se sont jouées jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les Mon Dogs deux fois de suite n'ont pas voulu lâcher deux fois de suite. Les Russes avaient obtenu le draw et les Mon Dogs sont revenus tout doucement. Et malheureusement, deux fois, que ce soit sur train ou sur Inferno, ils échouent un round 16-14. Ouais, c'est frustrant. Enfin, est-ce qu'on peut être frustré de perdre ce genre de match? Je sais pas, parce que vraiment ça joue à rien sur train. À mon avis, ils vont regarder ce dernier round sur train. Ils vont calculer si c'est pas le jeu qui a planté, enfin je sais pas, qui a peut-être bugué un centième de seconde, quoi. Parce que vraiment ça s'est joué à rien. Un très beau match, donc gagné 2-1 pour les Virtus Pro. Donc fin de la compétition pour les Lemon Dogs, donc dans cette Fnatic Frag Out. Et pour les Virtus Pro, l'espoir continue. La compétition continue et ils retrouveront dans la fin de semaine, il me semble, les Very Games. D'après de souvenirs comme ça, c'était jeudi soir normalement, vous les retrouverez sur la Vacarm TV. Normalement mercredi, vous aurez déjà avant les NIP qui rencontreront les Anexis. C'est ça. Non. Des problèmes, on me dit, ce sera peut-être plus tard. Affaire à suivre, en tout cas ça sera sur Vacarm, restez au courant, bien évidemment, c'est ici que ça se passe. Et je pense que si on n'a plus grand chose à dire, on va pouvoir rendre l'antenne, Graal. Oui, je pense que pour ce soir, on a eu un très très beau match entre deux très belles équipes. Panexis, 21h30, jeudi, ok. VG. Et VG, à ce moment-là, on va répéter ce qu'on les informations nous donner. VG jouerait finalement mercredi contre les Virtus et on aurait le droit jeudi soir au match opposant les NIP, les champions du monde, contre les Anexis, les Danois. C'est ça. Bah, deux belles demi-finales quand même, hein, qui vont tenir leurs promesses, je pense. Bon, selon moi, quand même une demi-finale VG Virtus sur le papier qui sera plus serré, et on nous dit qu'il faut couper court, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais d'abord remercier Saiger à la technique, je vais remercier Graal qui m'accompagnait pour la deuxième map et la troisième map. On va aussi également remercier Bozo pour avoir fait la première map, et moi je vous dis à la prochaine pour la web, sur la Web TV Vacarm. Salut tout le monde.